Allez, salut, salut les gars, c'est toujours moi le Sam Hospita. Et comme vous avez vu l'écran, vous avez vu la tête, vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Et je vous avais déjà fait, une vidéo comme ça où je montrais comment est-ce qu'on postulait, où j'expliquais un peu la bourse de Copenhague. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, c'est la vidéo qui est là. Voilà, ici, bourse d'études au Danemark. Donc si vous cliquez là, par exemple, vous allez voir la vidéo et puis vous allez essayer de lire la vidéo qui vous explique un peu comment ça se passe, quels sont les critères et puis quels sont les éléments ou bien les dossiers dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc c'est à dire que je vais pas reprendre encore les éléments qui sont là. Voilà, donc vous devez, si vous avez besoin d'informations en ce qui concerne la bourse, vous pouvez lire cette vidéo là et ensuite venir sur l'autre vidéo pour venir pour pouvoir postuler. Maintenant, ici, je vous demande vraiment de cliquer sur un j'aime. Voilà, vous voyez ici, on a 300 vues. Et ici, il y a seulement que 17 j'aime. Sincèrement, si vous aimez ce que je fais, essayez de liker mes vidéos pour faire valoir un peu mes vidéos. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, nous, on va aller directement sur le principe, ce qu'on devait faire. Et il y a des étudiants qui m'ont envoyé des messages pour savoir si les étudiants du baccalauréat peuvent postuler. Ce que moi je vais vous dire, les étudiants du baccalauréat, c'est-à-dire ceux qui veulent faire la licence, peuvent postuler, il n'y a pas de problème. Mais le processus est assez long et là-bas, il faut aller faire aussi l'année de langue. Si par exemple vous venez là, c'est-à-dire ici, vous allez cliquer sur Bachelor Programme. Voilà, vous allez voir que tous les éléments, toutes les facultés sont enseignées en langue danoise. Donc je vais mettre en français, comme ça vous allez mieux comprendre. Ici, vous allez voir programme de licence à l'USCPH. En danois, toutes les facultés sont enseignées en langue danoise, ce qui fait que ça sera vraiment hyper long à vous expliquer. Ceux qui sont vraiment intéressés à aller étudier là-bas, d'abord la langue et commencer les cours, vous pouvez déjà m'écrire via WhatsApp. On va essayer de discuter et puis par rapport à cela, si ça vous arrange, vous allez pouvoir aller y étudier tranquillement et sans problème et surtout à votre frais. Voilà, j'aimerais bien vous rappeler cela parce que l'année de langue ne fait pas partie chez eux, là, l'année de langue ne fait pas partie de la bourse que vous allez avoir pour la licence. Vous allez finir l'année de langue et aller étudier là-bas et étudier la licence maintenant avec la bourse si vous avez vraiment la bourse. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi j'ai fait la vidéo et je me suis focalisé sur le master. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le master. Donc quand nous on vient là, j'ai déjà fait la vidéo comment est-ce que, pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez faire pour postuler et tout. Je vais reprendre seulement et aller directement pour pouvoir postuler pour que ceux vraiment qui sont intéressés puissent postuler rapidement. Donc si je clique là, je viens sur le programme de masters. Voilà, donc ceux qui m'ont écrit plusieurs messages, regardez, essayez de voir un peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir postuler. Donc si vous allez sur le programme de masters, vous allez voir tous les programmes de masters qui sont là. Voilà, il y a plus de 54 je crois. Donc ici, vous allez choisir, moi je vais choisir une faculté comme mathématiques actuarielles. Voilà, ici je vais choisir ça. Donc vous pouvez choisir la faculté que vous voulez. Je rappelle encore, ceux qui veulent vraiment postuler et qui ne savent pas comment faire, vous pouvez nous contacter inbox, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de vous aider à postuler. Ok, donc ici par exemple comme ça, vous pouvez voir les critères d'admission ici. Vous pouvez voir les critères d'admission et tout ça. S'il y a un test à passer, vous pouvez voir là. S'il y a un test à passer pour aller dans cette faculté là, vous pouvez voir là, il y a ici baccalauréat remplissant automatiquement les exigences académiques. Ici vous allez cliquer là et ici autre baccalauréat exigences linguistiques, au moins que, à moins que vous n'ayez un accès réservé à un programme auquel vous postulez, vous devez documenter votre maîtrise de l'anglais. Vous comprenez un peu, donc ça veut dire que vous devez avoir un certificat en anglais, voilà, pour pouvoir postuler à cette bourse là. Ici, si vous n'êtes pas sûr que votre, bon, ça c'est autre chose, je vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez nous contacter inbox ou bien vous postulez directement sur le site. Voilà, et c'est tout. Donc une fois que vous arrivez là, je me retourne. Voilà, j'ai choisi ici masters, ça me renvoie sur la plateforme qui est là. Et lorsque vous arrivez là, vous voyez que les candidats pour les candidats de l'UE, c'est-à-dire les candidats européens, c'est le 1er mars. Mais nous, les candidats étrangers, c'est le 15 janvier. À partir du 15 janvier, le cycle est fait, le site est fermé pour les étudiants étrangers. Donc vous cliquez là, c'est l'élément qui est là, vous cliquez dessus et ça vous renvoie sur la plateforme qui est là. Voilà. Et arrivé là, ici par exemple comme ça, ici on dit êtes-vous citoyen au Danemark, dans l'UE ou bien Suisse?
Ça, c'est pour eux. Maintenant, pour les étudiants étrangers, êtes-vous ressortissant d'un pays hors UE? Voilà, donc c'est pour vous que se trouve là. Maintenant, si vous êtes étranger et que vous avez obtenu votre diplôme du Danemark, vous cliquez ici. Maintenant, si vous êtes étranger et que vous avez obtenu votre diplôme dans un pays autre que Danemark, voilà, vous allez cliquer là. Donc, pour la plupart, c'est là que vous allez cliquer. Vous allez cliquer sur baccalauréat international. Donc, vous allez cliquer ici, voilà, et ça vous renvoie sur cette plateforme-là. Il rappelle encore que la date limite, c'est le 15 janvier. Nous n'acceptons pas les candidatures après la date limite de candidature. Obtenir un aperçu de toutes les exigences importantes de la candidature au début de l'étude dans la chronologie. Donc, si vous cliquez là, par exemple, si je clique là, vous allez voir qu'ils vont détailler un peu comment est-ce qu'on va faire jusqu'à ce que on obtienne, jusqu'à ce qu'on parte étudier. Donc, ici, par exemple, comme ça, dans un premier temps, vous allez préparer et soumettre votre candidature du 15 novembre au 15 janvier. OK. Donc, voici le portail pour pouvoir soumettre la candidature. Et voici le guide aussi. Si vous ne comprenez pas, voici le guide qui est là. Vous pouvez cliquer dessus le guide. Ils ont expliqué tout là-bas. Seulement que ce guide-là peut être en langue danoise ou bien en anglais. Donc, ça sera à vous maintenant de savoir comment est-ce que vous allez faire. Voilà. Donc, vous voyez un peu, il y a des éléments en langue danoise, donc ce qui fait que ça est un peu compliqué pour les étudiants. Donc nous on revient directement, mais néanmoins ils ont déjà fait un petit résumé ici. Vous allez postuler là et ici c'est la date limite. Voilà, une fois que vous finissez là, ici anything missing, ils vont vous demander comme ça. Je vais mettre en français, on va lire ensemble. Ici on vous demande si vous avez manqué. Nous évaluons si votre demande est complète en examinant la documentation requise. S'il manque quelque chose, nous vous enverrons un message dans le portail. Voilà, donc c'est identique comme les bourses du Canada. Si vous postulez et qu'il y a des éléments qui manquent, on vous envoie un message pour dire bon, il y a votre CV qui manque, essayez d'insérer le CV. Et ici ils disent quoi? Et vous recevez une notification indiquant que vous avez un nouveau message. Votre délai pour télécharger tout document manquant est d'une semaine. Donc lorsque ils vont vous envoyer un message, le message va prendre une semaine. Si pendant les une semaine vous ne soumettez pas ce qu'ils vous demandent, alors ils vont rejeter. Bon, vous voyez ici, si vous ne soumettez pas tous les documents requis, votre demande pourrait être rejetée. Donc ça veut dire qu'ils vont rejeter votre demande. Donc une fois que vous soumettez et que tout est OK, vous allez venir là, évaluation académique. Entre le 1er février et mi-mars, ils vont évaluer vos documents pour voir un peu si vous avez une admission ou pas. Donc ici, du 1er mars en mi-juin, vous allez recevoir une admission et tout dans votre plateforme. Je ne vais pas lire tout ce qui est là. Vous avez 5 jours à compter. Ce que je vais lire, c'est ce qu'elle a. Vous avez 5 jours à compter de la réception de votre offre d'admission pour accepter l'admission. Vous acceptez ou vous refusez l'offre dans le portail de quoi d'application. Donc, une fois qu'ils vont vous envoyer un message pour dire OK, on a étudié vos documents. Maintenant, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez accepter. Vous avez postulé en mathématiques actuariales. Donc, par rapport à vos documents, vous respectez les conditions. Donc, on vous envoie une admission. Et c'est à l'étudiant maintenant d'accepter ou pas. Donc ça va dépendre de vous. Excusez-moi. Donc ça va dépendre de vous. Vous acceptez ou pas. Si vous acceptez, alors vous passez ici. Donc ici, il y a une bourse. Ici, si vous êtes sélectionné pour l'une de nos rares bourses disponibles, nous vous enverrons dans l'offre d'admission conditionnelle. Tous les candidats non européens sont considérés pour les bourses. Vous n'aurez donc pas à postuler séparément. Ça veut dire quoi? Je vous avais déjà expliqué dans la première vidéo. Donc, vous pour postuler à une bourse ici à Copenhague, vous n'êtes pas obligé de postuler de toute façon. Il n'y a pas de portail où vous allez postuler à une bourse. Non, vous allez vous enregistrer pour une admission et c'est directement en même temps avec la bourse parce qu'il y a un élément là-bas où on vous demande si vous voulez postuler à une bourse, vous mettez oui et c'est tout. Ça veut dire que vous êtes compté pour la bourse. Si vous avez une admission, ils vont essayer d'examiner aussi pour la bourse. Et puis, si vous avez une bourse, ils complètent à l'admission. On vous envoie dans votre portail et vous savez directement si vous avez une bourse ou pas. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo que j'avais fait ici, la vidéo qui est là. Voilà. Essayez de voir cette vidéo-là. Vous allez voir que j'ai essayé d'expliquer un peu comme ça pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, une fois que maintenant vous avez une bourse ou bien vous avez une admission, vous utilisez les documents pour pouvoir aller chercher votre visa. Et par rapport à cela, voilà, ils vont activer un compte pour vous et tout.
Et après, dans le compte, vous allez utiliser ce compte-là pour chercher, par exemple, comme ça, un logement là-bas, soit c'est en cité, ou bien s'il y a un logement à côté que vous pouvez prendre là-bas, vous pouvez trouver un logement. Et vous allez étudier maintenant entre consulter votre site de démarrage d'études du 1er mai au 1er septembre. Il y aura des cours qui seront disponibles sur le portail. De toutes les façons, vous allez voir tout au fur et à mesure. Voilà, arrivé à Copenhague fin août et programme d'introduction du 28 août au 1er septembre. Voilà, et le premier cours sera le 4 septembre. Voilà, donc, ici, par exemple, comme ça, je vais, nous, ce qui nous intéresse, on n'a pas encore commencé, donc on va déjà commencer ici. Je viens là, préparer et soumettre votre candidature. Donc, je clique directement sur le portail de candidature ici. Voilà, pour aller chercher à postuler. Donc, ceux qui n'arrivent pas à postuler, voici comment ça se passe, et puis voici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Voilà. Donc, ici, vous allez faire un loading in has self-register user. Donc, ici, je vais mettre en français aussi pour voir si ça passe. Voilà, ça passe. Donc, ici, on dit bienvenue. Un instant que je mette en français. Voilà, bienvenue sur le portail de candidature commun pour le programme de master, les cours de choix, la formation continue et tout, tout, tout. Sélectionnez comme vous souhaitez vous connecter. Pour utiliser le portail, vous devez vous connecter en utilisant l'un des éléments suivants. Si vous avez déjà un identifiant dans une université danoise, sélectionnez connexion ici. Si vous avez déjà vous avez déjà créé un compte utilisateur pour ce portail, sélectionnez se connecter en tant qu'étudiant ici. Si vous souhaitez vous connecter avec NID, sélectionnez se connecter avec NID de nouveau n'est actuellement pas pris en compte. Important, n'oubliez pas d'utiliser le même identifiant à l'avenir afin de pouvoir trouver votre candidature car elles sont identifiées par adresse email. Voilà. Et si tout ça, nous ne sommes pas dans ce cas-là, nous sommes ici. Si vous n'avez pas de NID ou de login et tout ça, tout, 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 alors vous devez faire quoi? Vous devez configurer en tant qu'utilisateur. Une fois que vous êtes un utilisateur enregistré, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur pour vous auto-enregistrer. Donc, ici, nous, on va se connecter là, configurer en tant qu'utilisateur, ici. Voilà, donc on va créer notre compte ici. Donc ici, je vais utiliser par exemple un prénom comme ça, un prénom à la hâte. Ok, et le nom de famille, je vais prendre. Ok, et la citoyenneté, je vais prendre Côte d'Ivoire. Ok, le plus important ici, pour vous aider, ça sera mon mail. Ok, donc ici on demande des documents d'identité. Si j'ai un passeport et tout, 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 je mets le passeport. Donc ici, vous cliquez sur l'élément qui est là, ça vous renvoie directement dans votre plateforme, dans votre ordinateur, et vous choisissez un document que vous allez marquer. Je choisis ce document-là. Le document doit être en PDF, en JPG et tout, tout, tout. Vous voyez, le document s'installe là. Et si ce n'est pas le bon document que vous avez choisi, vous pouvez supprimer ici. Vous voyez un peu. Voilà. Et ici, Danish Social, moi je n'ai pas tout ça, donc je clique là. I don't have a Danish Social Security Numbers. Voilà. Parce que si vous cliquez là, ils vont vous dire de mettre le numéro. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre ça. Et là, on vous demande la date de naissance. Je vais choisir la date de naissance rapidement. Donc ici, j'ai choisi peut-être mars. Et étant donné que je vais faire un master, je vais mettre comme si je suis né. Pour avoir peut-être 23 ans ou bien 22 ans, il faudrait que je sois né en 2000. Donc, je vais mettre 2000. Voilà. Si je suis né pour avoir 22 ans, voilà. Mars 2000, le 1er mars. Je vais mettre le 1er mars 2000. Voilà. Ici, le 7 mars 2000. Ok. Sexe mâle. National Identity. Donc, vous pouvez mettre votre numéro. De carte d'identité ou bien du passeport, ça serait pas important. Donc l'adresse, je mets mon adresse, je mets Abidjan, Abidjan,
Humain Abidjan, Cocody, par exemple. Voilà. Et ici, le pays, il choisit toujours Côte d'Ivoire. Ok, postcode, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose, vous pouvez mettre 00, ce n'est pas un problème. Voilà. Et ici, par exemple, comme ça, on dit que ce n'est pas valide, donc vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Ici, on dit, if you can't find your postcode in the list, please enter the postcode here. Donc, vous pouvez mettre postcode ici. Ça ne gêne pas. Voilà. Et la ville, vous pouvez mettre Abidjan. Ok. Donc, une fois que vous finissez là, voilà, vous pouvez créer votre compte ici. Ils vont vous envoyer un message. Donc, vérifiez très bien que votre email est vraiment correct. Voilà. S'il y a un problème, ils vont vous dire qu'il y a un problème et vous allez devoir changer le problème. Donc, si je mets create, activation link has been sent. Your identify will be validated later. Ok. Donc, une fois que c'est bon, ils vont essayer de ou cliquer sur OK. Ils vont essayer comme ça de vérifier votre identité. Et ils vont vous envoyer un message comme ça. Ils vont vérifier votre identité par rapport aux éléments que vous avez rentrés, c'est-à-dire par rapport aux données que vous avez rentrées avec votre passeport ou bien votre carte d'identité que vous avez mis en ligne. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser une carte d'identité. Voilà, donc une fois que c'est fait et que tout est OK, maintenant vous allez venir là dans connexion avec votre email et votre mot de passe. Voilà, vous pouvez l'utiliser et puis vous insérez là pour la suite des événements. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, vous voyez, il y a plusieurs universités. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais je vais faire une seconde vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, vous choisissez l'université de Copenhague. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo parce que c'est assez long. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe plus tard. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez écrire inbox pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut vous aider et tout ça. Ok, donc les gars, c'était moi de Sam Hospita. Et puis, voilà, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. A plus, les gars, surtout, prenez soin de vous.